Salut. Bien. La reine du royaume de la beauté te salue. Elle nous a envoyé te donner ce magnifique cadeau. Waouh, c'est vraiment joli. Elle t'a envoyé ce magnifique cadeau parce que tu es l'élu pour régner dans son royaume, le long de la rivière. Vous êtes toujours en train de parler d'elle. Quand vais-je la voir? Bien, très bientôt. Elle est en train de préparer une très grande fête pour toi. Oh, une fête? Puis-je amener mes amis? Elles aiment les fêtes d'anniversaire. Ça, ce n'est pas un problème, Janet. Tu auras autant de fêtes que tu voudras pour tes amis. Et nous t'apporterons tous les cadeaux dont tu auras besoin pour ta fête. Oh, elles vont l'adorer. Merci. Dites à la reine que je l'aime. Elle t'aime. Et nous t'aimons toutes. Viens, qu'en est-il de tes parents? Te traitent-ils bien? Oui. D'accord, prends soin de toi. Hein? Nous allons nous voir le mois prochain, comme d'habitude. Bye bye. Bye bye, on se verra le mois prochain. Au revoir. Papa, oui? C'est demain notre rendez-vous. Crois ton père. Tu auras tout ce que je t'ai promis, ok? Alors, puis-je en demander plus? Pas question. Écoute, jeune fille, mieux vaut manger ton repas et aller au lit. Ton professeur s'est plaint que tu étais en retard hier. Elle ne m'aime pas, maman. Oh, allez, comment tu peux dire ça? Que veux-tu dire par elle ne t'aime pas? Elle est toujours en train de me crier dessus tout le temps. Jeannette? Elle veut juste le meilleur pour toi. Elle dit que tu es très brillante, mais très déconcentrée. Ne lui coupe pas la parole, laisse-la parler elle-même. Ok, je suis désolée, d'accord. Mais qu'elle mange et qu'elle aille se coucher. Toi, Oli? Oui, maman. Merci, mange ton repas. Bon après-midi, les élèves. Bon après-midi, madame. Comment allez-vous? Bien, bien, merci. Merci. Notre sujet d'aujourd'hui porte sur l'argent. Qui peut me donner la définition de l'argent? Oui, toi là. L'argent est tout ce qui est généralement accepté comme un moyen d'échange. L'argent est tout ce qui est généralement accepté comme moyen d'échange. Applaudissez pour elle. Bien, maintenant nous allons voir les fonctions de l'argent. Les fonctions de l'argent. Qui peut me donner une fonction de l'argent? Oui, toi. Il sert de réserve et de valeur. Il sert de réserve de valeur. Applaudissez pour elle. Est-ce que tu as fait tes devoirs hier? Quelqu'un d'autre pour me citer une fonction de l'argent? Oui, toi là-bas. Il sert d'unité de compte. Il sert d'unité de compte. Applaudissez pour elle. Quelqu'un d'autre, une autre fonction de l'argent, toi là-bas. Il est utilisé comme moyen d'échange. Il est utilisé comme moyen d'échange. Applaudissez pour elle. Qui riait? Qui est en train de rire pendant mon cours? Qui rit pendant mon cours? Qui rit pendant mon cours? Qui riait? Si vous ne me dites pas qui riait, je vais tous vous fouetter. Si vous ne me dites pas qu'il y est, je vais fouetter chacun d'entre vous.
Qui rit pendant mon cou? Alors c'est toi? Qui non, donc? Ce n'est pas moi. Qui tu sont Jeannette et Stella? Tu vas voir. Qui sont Jeannette et Stella? C'est vrai. Levez-vous. N'essaye plus de me toucher. N'importe quoi. Vous ferez mieux de vous lever là-bas. Je vous demande de vous lever. Levez-vous rapidement. De quoi riez-vous? Nous n'avons pas ri. Vous n'avez pas ri. J'ai entendu des rires. Venez ici. Je vous demande de venir ici. Qui sont-elles? Des chèvres. Vous êtes des chèvres. À genoux. À genoux. Mettez-vous à genoux. À genoux. Levez vos mains. Je vous demande de lever vos mains. Levez vos mains. Levez vos mains. Levez vos mains. Levez vos mains. Fermez vos yeux. Fermez vos yeux. Quiconque fait le désordre pendant mon cours sera sévèrement puni. Et elles vont rester à genoux jusqu'à ce que je finisse avec mon cours. Bien, il est utilisé comme moyen d'échange. Bien. Alors, nous connaissons déjà les fonctions de l'argent. Mais je vais encore poser des questions. Maintenant, nous allons voir les caractéristiques de l'argent. Madame, je suis désolée. Par ici, de ce côté. J'ai dit, fais ton travail. C'est bon, dépêche-toi. Continue votre travail. Paresseuse. Et pourquoi t'arrêtes-tu? Madame, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Viens ta genou ici. Mets ton genou. Les mains levées. Ferme tes yeux. Tu es fatiguée, paresseuse. Madame, je suis fatiguée. Lève bien tes mains, tu fermes tes yeux. Et toi, tu continues avec ton travail. Madame, je suis fatiguée. Tu es fatiguée, continue avec ton travail. Madame, je suis fatiguée. Ferme tes yeux. Une amie très chère venue veiller sur toi. Veiller sur moi? Oui. J'ai mon père et ma mère et ils veillent sur moi. Je t'envoyais pas tes trois amis. Les servantes de la reine du royaume de la beauté. Oh, elles me manquent. Puis-je les revoir? Je leur demanderai. As-tu besoin de quelque chose? Oui. M'as-tu apporté un autre présent? Demande tout ce que tu veux. Et tu trouveras cela sur ton oreiller le lendemain. Je voudrais un collier en or. Tu l'as. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui te dérange? Oui. Mon professeur, il est toujours en train de me crier dessus. Elle ne te criera plus dessus. Maintenant, lorsque tu auras le collier en or, donne-le à ta meilleure amie à l'école. Et tu auras un autre bien meilleur le jour suivant. Tu peux te recoucher. Bonne nuit. Bonne nuit.
D'où sors-tu? Viens là. D'où est-ce que tu sors? Je voulais voir mon... Tu as l'air souffrante. Es-tu sûre de pouvoir enseigner aujourd'hui? Je pense qu'il est mieux que tu ailles voir le docteur. Tu l'as déjà vu, monsieur. Il t'a dit que tu pourrais tenir cette journée? Il a dit que je n'avais absolument pas de problème. Mais tu parais vraiment très faible et il ne pourrait admettre cela. Toujours est-il que c'est vraiment étrange. Tu sais, il a également dit la même chose. Très étrange? Qu'est-ce d'étrange? Vraiment rien du tout. En tout cas, je te conseille de rentrer à la maison. Tu peux prendre ta journée et te reposer. Ok. D'accord? Ok, merci monsieur. Y a pas de quoi. Que c'est vraiment joli. C'est ta maman qui te l'a donné? Non, c'est une amie spéciale à moi qui me l'a donné. Tu l'aimes? Vraiment beaucoup. Qui ne l'aimerait pas? Vraiment, je t'envie. Oh. Veux-tu la porter? Sûr. Vraiment beaucoup. Hey. Tu peux la prendre. Merci beaucoup. Je l'aime mon tellement. Mon ami m'offrira une autre demain. Ton ami est vraiment riche. Est-ce que je peux encore avoir? Je ne sais pas. Je vais d'abord lui demander. Ok, pas de problème. Merci. Venez ici. De là. De quoi parliez-vous? Rien, madame. Elle m'a donné son collier en or. Laisse-moi le voir. Waouh. Papa. Allez. Bon après-midi. À demain. Toi, viens là. Uche! Ah!
grand-mère était une servante loyale. Et ce privilège t'a été accordé. Comme tu es venu avec ton ami à ta fête d'initiation, ainsi tu viendras avec beaucoup d'autres au service du grand maître. Et tu renouvelleras ton vœu. Quiconque te défiera sera puni. Et si tu travailles dur sur cette mission, tu gagneras la plus grande commission. Ton rang et ta valeur seront élevés dans le royaume du grand maître. Mais rappelle-toi toujours l'obéissance. Le grand maître l'exige. Musique. J'aime celui-ci. Le souffle d'un scandale malheureux. Des gens. Le souffle du scandale malheureux. Oui, papa, mon examen, papa. De quoi s'agit-il? Je l'ai eu. Mon examen, je l'ai eu. Oh papa, je l'ai eu. Félicitations, ma fille. Wow! Pour étudier la médecine, donc ma fille deviendra bientôt une docteure en médecine. Félicitations, ma fille. Félicitations. Merci, et je serai le père d'un docteur en médecine. Merci. Félicitations. Je sais que tu réussiras. Parce que tu m'as toujours rendu fière. Félicitations. Notre fille a réussi. Elle a réussi. Ton examen, tu l'as eu. Elle a réussi. Elle a réussi. Regarde. Oh mon Dieu. Pour étudier la médecine. Jésus-Christ. Oui, c'est très bien. Tu sais comment on va m'appeler? Nedoc. Tu sais quoi? Nenecha. Tu sais quoi? Va à l'intérieur, change tes habits, reviens, nous allons sortir. Oh, merci, papa. Ma fille, vas-y. Ta fille a besoin d'une résistance. Non, ça, c'est pas juste. Ah, tu dois contribuer, ma chère. Je me suis rassurée qu'elle étudie bien. Elle est notre fille. Ah non, moi, je viens avec vous. Ok, pas de problème.
crois pas que tu peux m'acheter un cadeau. Oh, tu auras aussi ton cadeau. Comment allez-vous? Oh, mon bébé. Oh, merci, papa. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allons-y, allons-y, allons-y très vite. Voilà ce que tu as choisi. Juste avancer. La maman du docteur. vous suit derrière. Oh, mon Dieu. Non, mais laisse-moi te faire plaisir, tu vois. J'ai l'habitude d'avoir ces choses. Et je n'ai pas envie de vider tes poches. Je me fiche pas mal que tu vides mes poches. D'accord? Tu sais, nous devons célébrer ton admission à l'université. Ça n'arrive pas tous les jours. Et je suis disposé à le célébrer avec toi. Autrement, fais amuse-toi le plus possible comme si c'était ton dernier jour sur Terre. N'est-ce pas? Oui. Sais-tu pourquoi est-ce que je prie depuis? Non, mais j'imagine. En fait, avant que tu me passes tes diplômes, je serai riche. Très, très riche. Vraiment? Je ne voudrais pas que tu fasses une folie à cause de moi, hein? Parce que je ne me suis pas plaint. Tu le feras. Lorsque tu commenceras à manquer de l'argent au campus, tu te plaindras. Alors, il faudrait que je me prépare pour toi. Mon cœur, je ne suis pas tombée amoureuse de toi à cause de l'argent, tu sais? Je sais. Mais l'argent, le bon argent, est la clé de la réussite en amour. Je t'aime beaucoup, Andy. Tu es si pratique. J'ai des amis qui peuvent t'aider. Tu sais ce que je veux dire. Toi, tes amis peuvent-ils m'aider? Ouais, mon Dieu. Quel genre d'aide peuvent-ils m'apporter? Tes amis peuvent m'aider. Tes amis, qui sont-ils? Dis-moi, sont-ils des politiciens? Ou alors des arnaqueurs, des fraudeurs, des dealers de drogue? Que sont-ils pour toi? Tu es déjà jaloux et c'est pas nécessaire. J'étais juste en train de blaguer. Oh, je vois. Écoute, tu m'as plus grande fierté, bébé, tu vois. C'est bon. Les hommes et leur orgueil. Quelque chose me dit que tu vas plus m'aimer quand tu seras riche. Oh, un peu de patience, bébé. Sois patiente. Allez, mangeons. Tu t'es bien comporté comme une nouvelle recrue. Maintenant, est venu le temps de ta promotion. Tu as vu comment nous avons facilité ton entrée à l'université. À l'université, ta tâche augmentera avec ta promotion. Es-tu prête, Jeannette? Oui, ma reine, je suis prête. Regarde autour de toi. Regarde et vois mes très belles danseuses. Elles ont besoin de mari. Et il est de ton devoir de les trouver, des maris, parmi tes camarades d'université. Comment ferais-je cela, ma reine? Nous voyons d'ici que les hommes aimeraient toucher ton merveilleux corps en t'embrassant. Et tout homme qui t'embrassera, chaque fois que tu auras mis ce parfum, se mariera à l'une de nos filles. À présent, prends le parfum. Prends. Demande-moi tout ce que tu veux que je fasse pour toi, ma chère.
et je le ferai. Je veux que mon copain nom soit riche, ma reine. Ok. Considère que c'est fait, ma chère. Il deviendra très riche. Mais fais attention de ne pas t'attacher sentimentalement à lui. Car tu nous appartiens et non à lui. La bague, ma chère. Prends cette bague. Donne-la lui. Quel que soit là où il se rendra, portons cette bague. Les hommes lui accorderont des faveurs. Merci beaucoup, ma reine. Il n'y a pas de quoi, ma princesse. Musique. Salut les gars. Merci beaucoup. Comment tu vas, Zingou? Bien. Merci. Salut, ça va. Mais où étais-tu? J'étais au cours. Ah. Oui. Okay. Comment étaient les cours de ton côté? Philosophie okay. 102. Cet homme, gars, il me stresse énormément. Quoi? J'ai raté le test. Tu es sérieuse? Mais t'inquiète, je sais comment gérer ça. T'inquiète. Oui, je te crois. Comment tu vas? Moi, je vais bien. Tu es très jolie. Ah oui? Tu es très magnifique. Ah bon? Tu es très romantique. Merci. Fais-moi un câlin, non? Fais-moi un câlin. Que je t'embrasse? Oui. Que je t'embrasse? Oui. Oh, ok. Ok. Très bien. On se voit plus tard. Prends soin de toi. Prends soin de toi, ok? Très d'accord. Bien. Bye. Bye-bye. Je verrai plus tard à mon fer. J'ai l'impression que tu ne voudrais pas que j'aille à l'école.
Non, ce n'est pas ça. Je pensais juste à quel point tu vas me manquer lorsque tu iras à l'école demain matin. Je sais. Mais on s'est entendu que tu viendras rendre visite quand tu auras du temps libre. Oui. Mais jusque-là, cela n'empêche pas que tu me manqueras. Tu manqueras. Écoute, laisse-moi te donner un petit truc. Un peu d'argent. Tu vois, Bien. Prends-moi tel que je suis, tu vois. Je vois dans quelle mesure je peux avoir un peu plus que ça, mais... Pour le moment, voilà tout ce que j'ai. Tu vois, voilà 5000 naira. Tu n'as pas à te déranger, mon cher. Je sais que tu te préoccupes de moi. Merci vraiment, vraiment beaucoup. Je t'en prie. Tu vois, j'aimerais tellement faire beaucoup plus que ça. Mieux que ça. La prochaine fois, donc, donne-moi juste un peu de temps. Et je t'en donnerai mieux que ça. Je te donnerai tout le temps dont tu as besoin. D'accord? D'accord. Mais premièrement, j'ai aussi un cadeau pour toi. Vraiment? Oui. Mais qu'est-ce que c'est joli! Tu l'aimes? Oui, bien sûr. Ça l'est vraiment cher. Oui, ma tante me l'a envoyé de la Suisse. La Suisse? Oui. Waouh, c'est très joli. Je m'attendais à ce que tu me dises que tu l'as eu de l'un de tes nombreux petits amis. Ne commence pas, Nanti. Merci. Très bien, je t'en prie. Merci beaucoup. J'ai parcouru votre devis, mais... Bien. Bien. Puisqu'il en est ainsi, je n'ai pas d'autre choix que de vous donner le contrat. Oh, merci beaucoup, monsieur. Merci, j'apprécie vraiment. En fait, je savais que mon devis est juste. Et aussi que j'ai la capacité de... Arrêtez de dire des bêtises. Oui, monsieur. Votre devis n'est pas le plus bas, ni le meilleur. Mais je dois juste vous donner le contrat. Merci. En fait, après avoir fini ce boulot, vous m'en donnerez plus, monsieur. J'en suis sûr. Allez au service des comptes, ils vont vous régler. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Et s'il vous plaît, jeune homme. Oui, monsieur. Où avez-vous trouvé cette bague? Cette bague? Oui. Oh, c'est un présent de ma petite amie, ma future épouse. Oh, je vois. Oui, oui, monsieur. Ça va. Merci, monsieur. Je vous en prie. Yola est votre nom, c'est ça? Oui, bien sûr. Oui, Zambia, pourquoi voulez-vous me voir? C'est par rapport à votre devoir, monsieur. As-tu un problème avec? Je n'apprécie pas la note que vous m'aviez donnée. N'y a-t-il pas quelque chose que vous puissiez faire? Que voulez-vous exactement que je fasse? Combien d'argent voulez-vous? Janet, vous êtes tellement belle. Pour une très belle fille comme vous, le prix n'a vraiment pas grand-chose à y voir. Voyez-vous, croyez-moi, Janet, vous n'échouerez plus jamais à mon test. Vous allez trop vite, monsieur. Ça, c'est une offense. Non, ici, c'est mon bureau. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Attends que, laisse-toi faire. Relaxe-toi.
Janet, je t'aime. Je ne peux pas le faire, d'accord? Je ne peux le faire. Combien d'argent voulez-vous que je vous donne? Je vous donnerai une avance. L'argent? Pourquoi aurais-je besoin d'argent lorsque j'ai une belle fille comme toi? Tu es plus qu'un milliard de dollars pour moi. La prochaine fois que vous posez vos sales mains sur moi, ou la prochaine fois que j'échoue à votre examen dans ce campus, vous êtes un homme mort. Salut. Amour, hey, comment tu vas? Je vais bien, et toi? Ça va, ça va. Voilà mon amie Lisa. Oh Lisa, comment vas-tu? Lisa, c'est Andy. Je t'ai déjà parlé oui, de lui. Ok, elle parle beaucoup. Merci beaucoup. Toi. Merci, c'est un peu, c'est partagé. Oui, je suis enchantée aussi. Ok, bye. Mon Dieu, tu es si beau. Je t'ai promis que je deviendrai riche à cause de toi, vrai ou faux? Mm-hmm. Eh bien, c'est le moment, bébé. Et comment l'as-tu fait aussi vite? C'est pas une histoire que je te raconterai, c'est d'accord? On ira en voiture, dans un restaurant. Et ensuite, on s'assiera dans une très belle ambiance et je te raconterai toute l'histoire. Voilà ma voiture de je ne peux attendre. Mon Dieu, donc c'est ta voiture? Exactement, l'une d'elles. Oh mon Dieu, je suis excitée. Allons monter dans la voiture. Allez, viens, on y va, bébé. Allons-y. Allons-y. Hé, hey, bébé, quoi de neuf? Wow, salut, où étais-tu? J'étais en voyage. Ça a l'air d'aller. Ça va bien. Bien, David. D'accord, d'accord, je suis vraiment pressée. À plus tard. On se voit. Bye bye. À plus. Parle-moi de ça. Jenny, ma chérie, tu ne croiras pas. Mmh. C'était comme un miracle. Je ne croyais pas que je pourrais avoir une telle chance. Sachant très bien que de gars puissants sont installés dans cette industrie. Je cherchais également le même boulot. Mais alors, quelque chose m'a donné le courage d'aller là-bas et raconter au monsieur le rêve que j'ai eu la nuit d'avant. Je lui ai dit ce que je voulais et... comme... par magie, le monsieur m'a juste offert le boulot dans un plateau d'argent. C'est là avec du diamant. Mon Dieu. Écoute, je suis vraiment contente pour toi, d'accord? Je suis trop contente pour toi. Je suis vraiment contente. Tu sais, tu auras toujours ce que tu voudras. À ce niveau, tu auras toujours ce que tu veux. Mon Dieu, tu es vraiment chanceux. Je te l'ai dit. Et tu le seras pour toujours. D'accord? Oh oui. Oh oui. Je t'ai dit que je le ferai. Je t'ai dit que je serai très riche. Je graverai des montagnes à cause de toi. Pour ma gouverne. Très riche pour toi. D'accord. Mais Jenny, je n'ai pas apprécié ce que j'ai vu au campus aujourd'hui. Qu'as-tu vu dans le campus aujourd'hui? J'ai vu pas mal de... comment les appeler? Des mouches qui te volent autour, comme du miel, qui t'embrassent en public. Ce n'est pas bien.
Mon Dieu. Tu es un villageois. D'accord. Oui, je suis un villageois. Tu peux le dire. J'accepte. Écoute, l'éducation occidentale ne devrait pas être un instrument pour dénigrer nos cultures et nos traditions. Nous n'embrassons pas les femmes qui ne sont pas nos épouses. En public. Et c'est exactement ce que tu faisais. Donc si tu penses que je suis un villageois, alors j'accepte. Et plus jaloux que jamais. D'accord, d'accord. Mon seigneur. Tes désirs sont des ordres. D'accord? Je ne le ferai plus. Tant mieux. Alors, quand vas-tu me servir le plus chaud? Sois patiente. Sois juste patiente. Je t'offrirai le plus grand mariage de la ville. Ça sera le plus grand mariage de la ville pour des années. Mm-hmm. Le conseil du ministre sera là. Le gouverneur, tous les membres de l'assemblée, mm-hmm. les membres du gouvernement et au cas où cela me tenterait bien, j'inviterai le président, son épouse et même l'inspecteur général des polices sera là. Je ne peux attendre. Je ne peux plus attendre ce mariage. Je ne veux plus que ce mariage me dit ton, d'accord? D'accord. Je ne veux plus, d'accord. Je voudrais que ça vienne vite, tu sais. Bien. Oui, bébé. Jeanne, tu as arrêté de faire ton travail? Mon fiancé est très jaloux, ma reine. Épargne-nous ce détail. Tu ne lui es pas loyal. Mais plutôt à moi. Je lui ai donné tout ce qu'il a. Et je peux tout récupérer. À présent, écoute-moi. La punition pour la désobéissance est très rude. Regarde toutes tes sœurs. Leur espoir d'avoir de mari dépend de toi. Ma société attend de moi de vivre comme tout être humain normal. Ma reine, permets que je la vive. Selon nos désirs. Maintenant, écoute pour la dernière fois que la punition de la désobéissance est très rude. Tu vas l'expérimenter, mais nous te laisserons avec le pouvoir pour te racheter. Et miséricorde, ma reine. La miséricorde, c'est du passé. Maintenant, va et finis ton travail. Musique. O pinti mambalale, inti mambalale, anaye. O pinti mambalale, inti mambalale, anaye. Alangala mati, esangala mati, efunye. Alangala mati, esangala mati, efunye. Laisse-moi te taquiner. Attends, comment est-ce que tu le feras? Mais ouais, je sais. Je... Comment est-ce que tu feras? Jeanette! Oh! Mais tu m'as pas dit que tu venais. Mon Dieu, je savais pas que tu venais. Tu aurais dû m'appeler. Tu es en vacances? Bien, je pensais que tu as perdu ton téléphone. Je t'ai pourtant appelé. Non, je n'ai pas perdu mon téléphone. C'est juste que voilà, je l'ai éteint. Parce que j'avais de sérieuses négociations d'affaires avec mes partenaires. Voilà pourquoi. Oui, d'ailleurs, pourquoi ne t'assieds-tu pas? Détends-toi. Merci. Oui. Voici. Viviane, c'est l'une de mes partenaires d'affaires, voilà. Salut, Viviane. Contente de faire la connaissance du partenaire des affaires de mon fiancé. Mesdames, excusez-moi, je vais prendre quelque chose à l'étage. Très bien. Alors, Viviane, tu es son partenaire d'affaires. Tu l'as entendu. Je me demande quel genre d'affaires vous faites. Je te demande pardon? Mais c'est quoi cette stupide question, ça? Pourquoi ne l'as-tu pas demandé? C'était vraiment ton fiancé. C'est vrai, ma copine. Et je ne t'aime
pas. Oh, mieux encore. Je ne veux pas que tu m'apprécies. Tu aimerais que je te déteste. Quoi? Est-ce que tu me menaces? C'est ce que tu es en train de faire? Et qui se soucie de si tu m'aimes ou me détestes? Qui? Tu te feras avoir peur pour toi. Non! Non! Qu'est-ce qui se passe ici? Non! C'est quoi le problème? Non! C'est brûlant! C'est de la folie. Tiens, mais que l'as-tu fait? Penses-tu vraiment que j'ai fait quelque chose? D'accord, peu importe, mais... Je ne voudrais pas qu'elle meure ici. Jeannette, je t'en prie. Pourquoi tu fais ça? Est-ce l'amour que tu m'as promis? Pourquoi tu fais ça? D'accord, je suis désolé. D'accord, peu importe ce que j'ai fait, je t'en prie, pardonne-moi. Mais fais quelque chose. Je veux pas que cette femme meure ici, je t'en prie. Non. Non. Tu ne sais pas ce que tu fais. En fait, tu ne te connais pas. Je vais te pardonner cette fois. Mais si tu essaies une prochaine fois, ouais. Compte tenu de ce que tu m'as dit, je pense que Jeannette doit avoir un pouvoir maléfique. Elle doit être possédée. Étrange quand même, je sais. Oh mon frère, nous vivons un temps paradoxal. En effet, nous vivons un temps paradoxal. Mais tu te que fais-je maintenant? Que me souhaites-tu de faire? Je te conseillerais d'arrêter toute relation avec elle. Oui, arrête tout complètement. Ne lui accorde pas une seconde chance parce que elle n'est pas bien pour toi. Du tout. Ça sera difficile, mon frère. Là, ça sera très difficile à faire. Mon frère, j'aime cette fille et j'ai l'intention de l'épouser. Tu as l'intention de... Oui, j'ai l'intention d'épouser Jeannette. Je vois que tu es en train de blaguer. Pourquoi pas, mais d'après ce que je vois, Jeannette n'est pas du tout bonne pour le mariage. Elle ne l'est pas. Et ça, c'est une vérité venant d'un vrai ami. Mais je vois toutes ces choses que tu peux faire aux gens. Je n'aimerais pas que tu tombes dans les égouts. Non. Ce à quoi je pense, c'est que tu arrêtes tout. Je sais que c'est assez dur, mais tu peux le faire. Je sais que tu peux. Jeannette, mais ça c'est quoi? Que fais-tu dans mon salon? Comment es-tu arrivée ici? Je peux aller où je veux, à tout moment. Avec ce mot, reste loin de mes affaires. Tu as de la chance cette fois, mais si tu sais une prochaine fois, je vais en finir avec toi. Avertissement. Thank you.
Hé, hey, ça dit quoi? J'essaie d'avoir un téléphone depuis ce matin, mais en vain, que se passe-t-il? Ah. Je dis, mais c'est quoi le problème? Nabi, laisse-moi tranquille. Mais tu ne peux pas comprendre. Ce que je t'ai dit par rapport à Jeannette, oublie ça. Je retire les commentaires, je ne veux pas être impliqué dans vos affaires, elle et moi. Ok? Je ne veux plus me mêler de vos affaires, donc, bye. Ça va aller? Oui, tout va bien. Jeannette, écoute-moi. Je ne sais pas ce que je t'ai fait pour mériter le traitement que tu m'infliges. Tu as réussi à éloigner de moi mes amis et mes partenaires d'affaires. Et ça, je n'aime pas. Il faut t'entendre parler. As-tu besoin de mentir pour couvrir les mauvaises choses que tu fais? Quoi? Tu m'as appelé menteur? Jeannette, tu m'as appelé menteur? Je n'accepte pas ça. D'accord? Je n'accepterai pas ça. Tu sais quoi? C'est tellement amusant la façon dont tu as changé, Nandi. Et je ne sais même pas à quoi est dû ce changement. C'est l'argent ou quoi? C'est toi qui as refusé de changer. Tu as refusé de changer comme mon statut a changé. J'ai besoin de temps pour prendre à main la responsabilité de mes affaires. Donc tu essayes de dire que je ne suis pas bonne pour toi? Donc maintenant tu dis que je ne suis pas bonne pour toi? Hé hey Dieu, ça c'est amusant. J'ai besoin d'espace. D'accord? J'ai besoin de temps pour prendre en main la responsabilité de mes affaires. Sans que tu ne sois là à me faire de l'ombre tout le temps. Tu as besoin d'espace. Tu as besoin de ça. C'est ce que tu veux. D'accord. Je vais partir et tu ne me reverras plus jamais. Et n'essaye pas de me courir après. Mais écoute, c'est pas ce que je voulais dire. Écoute. C'est pas ce que je voulais dire. Bonne chance. Attends là. Oh mon Dieu. J'ai réussi. Es-tu libre, mec? Oui, je suis libre. Libre, libre comme un oiseau dans le ciel. Et je suis libre demain à nouveau. Libre de sortir avec n'importe qui. Libre de vivre ta vie sans rendre compte à qui que ce soit. Oh mon Dieu, je suis libre. Salut. Salut, ange. Qu'est-ce qu'une jolie fille fait dans une route déserte comme celle-ci? Vas-tu dans ma direction?
Et de quel côté tu vas? Naturellement, comme tu peux le constater, je viens de la montagne où on s'amuse. Un lieu où il n'y a ni ténèbres, ni chagrin. Ce soleil est suffisant pour ceux qui sont du monde des ténèbres. Tu peux le dire encore. C'est une planète de bénédiction. Vraiment? Oui. Un endroit où le soleil se lève en permanence. Un endroit où coule de l'or. C'est le cas. De l'or à l'état pur. Tu sembles intéressant. Alors, comme les anges vivent dans le ciel, que fais-tu sur la terre? Bien, disons que je suis descendu du ciel pour accomplir une mission lourde. Oh, mon Dieu. Écoute, je crois que je suis le gars le plus chanceux de la planète Terre. Oui. Alors, ange, vas-tu me gratifier de quelques-unes de tes étoiles, angélique? Pourquoi pas? Tu seras heureuse. Pourquoi pas? Viens, on y va. Excuserai le temps que j'ai aux toilettes. Encore une chose, les anges ne sont pas choisis comme il s'agit de nourriture et de boisson. C'est un match. S'il te plaît, un instant. Ok, ne te sauve pas, hein? Non, pas du tout. Ibokija. Serveur. Nom de Obiakwa, imbécile que tu es. Je parle à ton esprit à travers ces statues. Je suis entré dans ta vie et tu es devenu riche. À partir de cet instant, tu vas rentrer dans ta pauvreté. Par le pouvoir qui m'a été conféré. Retourne dans ta pauvreté. Retourne dans ta pauvreté. D'accord, chérie. Mais ça a été bien long. Ce sont les problèmes d'ange, s'il te plaît. Mangeons et parlons plus tard, d'accord? D'accord. Oh, d'accord. Merci. Allô, Joe? Oui, Joe. J'attends d'avoir de tes nouvelles depuis lundi. Que se passe-t-il? Y a-t-il un problème? Non. Joe, s'il te plaît. Si c'est une blague, alors arrête ça. Ce n'est pas sérieux. Quoi? Tu n'es pas sérieux, là? Comment? Quand? Voyons. Attends, tu veux dire tout le travail que j'ai abattu toute ma vie a coulé dans la mer? Non, Joe, dis-moi, comment as-tu... Où as-tu cette information? Seigneur, oh mon Dieu. D'accord, Joe, d'accord, attends-moi sur place. J'arrive aux portes tout de suite, d'accord? Il y a forcément une erreur quelque part. Il y a forcément une erreur, Joe. Oh, Seigneur, pourquoi? Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi moi?
Oui, secrétaire. Venez dans mon bureau sur le champ. Oui, venez dans mon bureau. Oui, monsieur. Annulez tous mes rendez-vous pour aujourd'hui. Je ne veux rencontrer personne. Ok, monsieur. D'accord? Ok. Venez ici. J'ai dit que je ne voulais voir personne, même pas vous. Alors restez bien cachés, d'accord? Allez tout de suite dans le département comptable. Dites au comptable que j'ai dit qu'il ne devrait pas donner le moindre arrêt à qui que ce soit aujourd'hui. C'est compris? Ok, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette calamité? C'est quoi cette putain de malchance, ça? Tout ce pourquoi j'ai travaillé. Vous m'appelez? Parce que je pense que c'est le mieux que je puisse faire. Je vous ai dit que je vous rappellerai. Mais j'attends depuis. Et je ne veux pas attendre en vain. En fait, j'ai peur que tu retournes dans ta maison paradisiaque. Arrête de blaguer, Ondé. Je n'aime pas les gens qui désobéissent. Oh, 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 je suis désolé, j'ai pas réalisé que je me battais avec des dieux à qui je dois obéissance. Je ne suis pas d'humeur pour les blagues, Andy. Je vais t'appeler plus tard. Oh, s'il te plaît, ne raccroche pas, Écoute, Annie, regarde, j'ai besoin de toi. Je perds la tête, J'ai besoin de toi, Annie. Bye bye. Allô, Ange? Ange? Allô, Ange? Était-ce un homme dit? Ta voix sonnait comme si celui qui parlait avec toi t'énervait. Donc j'ai pensé que ce serait un homme dit. Si tu le dis, papa. Janet, je suis honnête. J'ai observé ces derniers temps que un homme dit n'est plus heureux. Nous attendions que quelque chose sorte de cette relation ce temps-ci. Ne recommence pas, papa. Tu ne devrais pas t'attendre à ce que toutes les relations finissent par un mariage. Véritablement, je n'attends pas que toutes les relations aboutissent au mariage. Mais j'attends une, juste une, d'aboutir au mariage. Donc, quel est le problème? Papa, es-tu si pressé de te débarrasser de moi? Me débarrasser de toi? Janet, je veux que tu épouses un jeune homme responsable. Cela a toujours été ma prière et mon souhait pour toi. Tout est... Papa! Ça va. Laisse-moi me retenir. Maintenant, dis-moi, quel est le problème avec Namdi? Écoute-moi, j'ai observé ce jeune homme et je l'ai trouvé très responsable. Papa, j'ai fermé le chapitre de Namdi dans ma vie et je ne veux pas le réouvrir. Bon après-midi, monsieur. Salut. Que puis-je faire pour vous? Nous voulons voir votre chef, monsieur Nando Eze. Nous sommes du Transform Trademark. Oui. Ah, désolé, monsieur. Mon patron n'est pas disponible pour le moment. Dans ce cas, on va l'attendre dans son bureau. Ok. Non. Vous, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas entrer, monsieur. Monsieur. Monsieur.
Monsieur, je leur ai demandé d'attendre à la réception, mais... C'est bon, vous pouvez retourner à votre poste, je m'en occupe. Monsieur. Cher monsieur, je dois avouer que c'est une surprise, je ne vous attendais pas. Oui, le nouveau développement venant de la banque a occasionné cette visite. Vous avez dû apprendre le problème que nous avons avec la banque centrale. Oh oui, c'est vraiment pas évident de gérer des problèmes avec cette banque. Ok, c'est particulier, c'est pourquoi il est nécessaire de faire appel à nos crédits. Monsieur Namdi, la raison pour laquelle nous espérons de vous un paiement immédiat est qu'en ce moment, notre société bat des ailes. En effet, j'étais sur le point de vous écrire, de vous informer officiellement à propos du problème que j'ai. En fait, le bateau qui transportait ma marchandise a sombré dans la mer. Autrement, tout mon argent, tout mon investissement a tout simplement coulé dans la mer. Et cela me tue financièrement. Nous sommes désolés, mais il n'y a rien que nous puissions faire. Je vous conseillerais de parler à vos assureurs. Mais écoutez, nous sommes partenaires d'affaires depuis très longtemps. Au moins, je devais avoir un peu de clémence de votre part. Nous l'aurions souhaité. Nous l'aurions souhaité, monsieur Namdi. Mais nos cœurs sont lourds. Vous devez comprendre que nous faisons ce qui a été demandé. Seigneur, qu'est-ce que c'est? Que dois-je faire? Mais que dois-je faire maintenant? Chérie, je vous ai entendu beaucoup parler, jamais de toi, ce matin. Oui, on doit lui parler. Je vois que tu ne parles pas assez à ta fille. Ogechi, tu ne fais pas ton travail. Ah chérie, ça c'est pas juste. C'est pas juste, tu sais que c'est pas vrai. Je lui parle. Sauf que nous avons besoin de faire très attention. Faut pas qu'elle pense que nous la voulons plus à la maison. Attention, tu as dit. Je crois que tu ne ruineras pas son avenir en faisant attention. Sinon, ce sera une irresponsabilité de notre part. Écoute, je connais ma fille, Jeannette. Je sais qu'une fois qu'elle sera amoureuse, elle va se marier et s'asseoir. Jusqu'à quand? Qu'y a-t-il de mauvais avec tous ces célibataires éligibles qui viennent et sortent d'ici? Maintenant, tu parles d'amour. De quelle couleur ou forme d'amour parles-tu? Dis-le-moi. Tu sais, Jeannette est notre unique fille. Et en tant que fille unique, elle a besoin de prendre son temps et de chercher la personne exacte. Tu sais, c'est pas le fait de se marier tôt qui compte, mais son bien-être. Honnêtement, ma patience déborde. De toute façon, je crois que nous n'allons pas attendre pour longtemps.